Notre-Dame d'Avenières. La statue du XIVe siècle, Notre-Dame d'Avenières, est en pierre. Mais les visages de la Vierge et de l'enfant sont en bois. Lors des fêtes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption, cette statue placée au-dessus du maître-autel nous guide dès l'entrée de la nef. Quand Avenières subit la guerre de Cent Ans, les paroissiens, en 1429, prennent en charge leur église et leur cure et retrouvent force et espérance en organisant le pèlerinage que l'on connaît encore aujourd'hui. En 1898, l'église devient basilique. Le pèlerinage est fixé au 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Depuis, chaque année, les pèlerins forment une lente procession nocturne le long du quai d'Avenières. Ils viennent rendre grâce, confier joies et peines à celle qui a été préservée de tout mal, celle qui, par Dieu, a donné chair à son Fils Rédempteur. La statue est portée doucement vers la basilique par la voie fluviale. Vierge d'Avenières, écoute nos prières. Au cours de la procession, les chants des fidèles, comme des flambeaux de lumière réfléchis par le miroir du courant de la rivière, deviennent fleuves d'espérance et de foi. La statue de Marie est alors revêtue de ses plus beaux atours. Une robe immaculée, brodée de volutes d'or, un manteau de soleil, duquel émerge le visage de l'enfant Jésus. Il tient dans sa main le monde qu'il est venu sauver. Marie est couronnée d'un diadème imposant, ciselé de pierres précieuses. Elle est reine de la royauté de son Fils. Jésus, roi divin, porte le même diadème. Dieu a fait de la jeune fille de Nazareth notre reine. Vierge Marie, Vierge d'Avenières, toute pure, voici que tu es sans parure, on ne t'a jamais vue ainsi, et l'on te découvre aujourd'hui, si proche de nous sans couronne, avec l'enfant que tu nous donnes. Vierge de vie, au pan de ton tablier rouge, tu soutiens cet enfant qui bouge, nous offrant ton cœur et ton sein. Il porte la terre en sa main pour la revêtir de lumière, ce fils, né de la vraie lumière. Vierge bénie, ta robe, en trois plis d'espérance, s'est parée de fleurs de silence. Par un socle, on t'a fait grandir. De très loin, tu peux nous sourire. Bienheureuse, tu viens vers nous et toute chaîne se dénoue. Vierge Marie, si l'on te découvre aujourd'hui sans parure, Vierge bénie, c'est pour te confier nos prières. Qu'elle soit inscrite sur la pierre, et qu'habillée de tes couleurs, elle rejoigne notre Seigneur. Ô Vierge d'Avenières, sans ton vêtement de lumière, nous t'aimons aux jours ordinaires, et nous te confions nos prières.